On passe au saut chez les dames avec la hongroise Renata Tott. Finale qui se joue en deux sauts, moyenne de deux sauts calculée avec un saut vers l'avant. L'une le salto avant carpé, demi-tour. Ah, j'ai pas bien vu la réception, on va voir ça au ralenti. Est-ce qu'elle sort des lignes? Non, elle reste entre les deux lignes principales. Allez, prépare tranquillement ses poignets pour le deuxième saut. Renata Tott, oh, ça fait bien longtemps que la gymnastique hongroise n'est plus présente aux avant-postes depuis la fin des années 80. Grosso modo, depuis la fin des pays du pacte de Varsovie, hein, très, très concrètement, ça a été tout ce chamboulement connu dans l'univers de la gymnastique internationale, comme dans beaucoup d'autres sports aussi. Renata Tott avec cette première note que vous avez vue. Allez, deuxième exécution pour la jeune hongroise. Soit en Yurchenko. Yurchenko brille. Ah, c'est mieux, elle a été sortie à 13,525 sur la première réalisation, ça sera mieux Laurent. Ah oui, là c'est plus dans l'axe. Le salto arrière tendu, la vrille, la réception avec un léger sursaut vers l'arrière. S'écrase un petit peu sur le cheval, mais c'est pas mal. Ça manque un petit peu d'amplitude sur l'exécution. Renata Tott. 13,625 sur la moyenne.